Et salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Medieval Dynasty. Alors, que faire? J'arrive à un point où je sais plus trop quoi faire en fait. À part l'amélioration et la transformation du village. Avoir de nouveaux villageois aussi, évidemment. Mais ouais, j'ai encore des bâtiments à faire aussi, hein, bon, hein. J'améliorerais bien ça. Ça, c'est niveau 3 ou... Ça, c'est niveau 2. On va la passer niveau 3. Parce que normalement, je peux passer niveau 3. Alors attendez, parce que là, c'est comment... L'entrepôt... C'est pas là. Ah. L'entrepôt niveau 3. Voilà. Ah, moi, je peux plus bouger. Hein. Allô? Ah. Ah, je suis trop chargé. Mais pourquoi je suis trop chargé? Qu'est-ce que j'ai qui pèse aussi lourd? J'ai 80... Ah oui, d'accord, j'ai des rondins. Et pourquoi vous me mettez des rondins? Ok. Il faut des rondins, donc, du coup. Et après, de la pierre. Et pourquoi vous m'avez mis tous les rondins dans mon inventaire? Hop, ça c'est fait. Là, le coffre il est là pourtant. Je comprends pas là, j'ai pas compris le... Allez, on améliore ça. Ok. Il est où, Ronda? Ah, il est là. Là, il y en a 12. Ok. Parfait. Ça, c'est fait. On va prendre tous les rondins qu'on peut, hein. On a des planches aussi. Ok. Alors là, j'ai plus de rondins. Ok. Hop, hop. Parfait, donc là ça doit être bon. Maintenant il va me falloir de la pierre. J'ai pas compris pourquoi ça m'a tout remis dans mon inventaire. Bah ouais, j'ai pas de rondin maintenant. Attendez, je regarde parce que c'est bizarre. J'en ai 553, 186 planches, je comprends pas. Hop, on prend vraiment la limite. Allez. Parfait. Et après ça, on va l'améliorer. Enfin, on va l'isoler. Je crois qu'on peut. Hein. Hop. Et j'ai des maisons à finir d'isoler. Alors là, on vient de passer en été. Je vais jouer quand même pendant le printemps. Donc on va après aller voir à la capitale les missions qui nous sont proposées.
Hop. Eh, dépêche-toi. Heureusement qu'on a le petit bonus. Ah, je crois que j'ai des points à dépenser aussi. Normalement, oui. Voilà. Plus de pierre. Ben, j'ai pas regardé combien il m'en fallait. Bon, je vais en prendre 24. Je crois que c'est 8. Il me semble. Et l'autre, ben, je sais pas combien j'étais. Donc. Hop. Parfait. Voilà. Le toit maintenant. En planche. Allez. Et après, il va falloir isoler ça. Donner à ce bâtiment quand même un aspect agréable. Hop, hop, hop. Purée, ça va me coûter cher en planche, ça. Hop. En tout cas, au moins, ça va être top. Ça va donner un peu plus de cachet au village au niveau beauté. C'est quand même beaucoup plus beau un bâtiment. Hop, ben voilà. On doit être bon, je pense, non? Ouais. On va aller regarder ça un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, ouais, c'est sympa. Sympa, maintenant on va l'isoler. Ça va être, à mon avis, quand même beaucoup plus beau que la pierre toute noire, la grise. Alors, il nous faut du calcaire. Hop. Isolé. Ah, ça va être top, ça. Hop. Ouais, ça va quand même faire un bâtiment beaucoup plus agréable à l'œil, à regarder, je veux dire. Parfait. Voilà. Top ça. Les cultures, j'ai pas regardé, tiens. Allez, si on peut faire tout le bâtiment d'un coup, ça serait pas mal. Je pense qu'il va m'en manquer un petit peu. Allez. Ouais, il va m'en manquer. Ok, c'est parfait. Là, il m'en manquait deux. Ah. Là, il m'en manque deux, c'est ça. Ok. Il m'en faut 18. Impec. Hop.
Et c'est fini. Voyons voir. Ah oui, c'est quand même beaucoup plus agréable à l'œil. Est-ce que je laisse... Est-ce que je laisse le bâtiment comme ça ou est-ce que je mets de l'enduit? Ça peut... Ah, mais c'est cassé. Mais normalement, j'ai quelqu'un pour réparer. Pourquoi elle répare pas? Je comprends pas. Et on va mettre de l'enduit. Bon, il nous faut peut-être... Il nous fallait 8 pour l'autre, donc on va dire 16, on va voir. Il en faut un peu moins. Voilà, parfait. Ça donne quoi? Ça donne un bâtiment plutôt sympa. Ok, c'est top. Bon, alors pourquoi tu répares pas? Tac, 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 réparer. Ah, mais il y a plein de bâtiments à réparer en fait. Et elle sert à rien l'autre là. Qui c'est que j'ai mis? Je sais plus comment. Ah oui, tiens, on a des points à mettre ici aussi. Là, j'ai 2 points. J'ai tellement miné, je sais pas si c'est ça, mais... Non. Les activités d'extraction consomment 10% moins d'endurance, ouais. Les activités minières et d'extraction sont 10% plus rapides pendant 10 secondes, cumulables jusqu'à une fois. Les arbres sont abattus 10% plus vite pendant 10 secondes. Ça c'est pas mal. Surtout pour moi. Comme je mine beaucoup. Et on a dans l'agriculture. C'est quoi ça? Les montures s'épuisent 10% plus lentement. Les activités agricoles consomment 10% moins d'endurance. Perte de durabilité des outils agricoles réduit de 5%. Ah, les récoltes dans les vergers sont 10% plus importantes. On peut peut-être mettre un point là. Et un pour le canasson, peut-être. Poids transportable par les montures augmenté de 10 kg. Ah, je préfère ça au pire. Ouais. Les chevaux, on va pas tarder à les avoir. Donc, c'est pas ça que j'allais voir en fait. J'allais voir la feignasse là. Qu'est-ce qu'elle fout? Gestion. Service, je pense. Atelier de constructeur. Il y a bien quelqu'un dedans quand même. Norberta. Un type de bâtiment de service. Travailleurs employés ici répareront les bâtiments sélectionnés. Ah, voilà, attendez. Attendez, je dis qu'elle est feignante, mais ça se trouve... Bah non, c'est bon, ils sont là. Réparation de bâtiment. Donc ouais, ils sont là, ils sont sélectionnés, ils sont ici. Alors qu'est-ce qu'elle fout? Outils maillés. Elle a 3 de compétences. Ah, j'ai encore foutu une feignante à là. Les maillets. Maillets en bois, maillets en cuivre. On va en prendre un. D'accord. Non mais je vais lui mettre directement dans son truc, hein. Je lui demande pas non plus la mort, quoi. Et tu me répares les bâtiments, en fait. Qu'est-ce qu'elle fout? Bah, elle fout rien. Elle fout absolument rien.
Et la grandouille. Hello. Have a nice day. Oui, mais t'es bien gentil, mais tu me fais rien du tout, en fait. Il y a des bâtiments qui sont détruits, tu répares rien. Et les bâtiments sont bien sélectionnés, là, ils sont là. Là, ils sont là. F. C'est peut-être moi, hein, c'est peut-être moi. Souhaitez-vous vraiment demander la... Ah, mais sérieux, c'est moi. C'est moi qui dois les sélectionner. Oh, c'est un peu bébête, quand même. Ah, il y a ma maison aussi, dedans. Ok, bah j'ai rien dit, c'est pas une feignasse. C'est moi qui ai pas pensé à le faire. Aucun outil. Comment ça, aucun outil? Bah, t'as ton maillet? Je t'en ai donné un. Eh bah, tu vas te bouger un petit peu. Tu vas me réparer ça, là, s'il te plaît. Je t'ai demandé de le faire, tu vas le faire. Hop. Allez, maintenant. Maintenant. Les champs. Ça va pas être pour maintenant. Ah. Pommier. Est-ce que ça va donner quelque chose cette année? Je sais plus quand est-ce que je les ai plantés. Allez, on va à la capitale, on va aller voir... mince. L'émission. Ouais, il n'y a plus grand-chose. Enfin, il n'y a plus grand-chose. C'est pas comme au début où on construit tous les bâtiments, où on doit mettre notre village en place. Là, on a les bâtiments, maintenant c'est surtout de l'amélioration. Ah. Que je vais arriver à en avoir une. Ah, loupé. Ah, elle a changé de sens, mince. C'est le niveau d'élévation. Bouge pas, toi. Ah, je l'ai loupé. Pas de beaucoup, mais je l'ai loupé. Oh, viens. Viens. Ah, mais arrête de changer de sens. Ah, je l'ai loupé aussi. Et l'autre... Faut que je me fasse des flèches... Ouais. Ah mais sérieux? Ah, je crois que j'ai touché quelque chose. Attends. Attends, bouge pas. Et où est-ce que... Ah, ramasse. Il est où? Ah, il est là. Bah oui, ça pique. Excuse-moi. Voilà. Oh, mon épieu, s'il te plaît. Épieu en cuivre, ah, cool. Bon, bah voilà, ça fait un petit peu de viande, un peu de cuir. Un petit peu de cuir, et puis comme ça. Enfin, des pots, surtout. Ouais, vraiment que je pense à me faire des flèches. Mais l'arc, voilà. Pas le pied, quoi. Ah, tiens, ça, c'est nouveau, on va piquer,
Une bouteille d'hydromel. Des planches, des rondins, moi je prends. Poisson salé. Accepté. Bam. Encore des planches. Y a rien d'autre. Mec, que je puisse pas récupérer les roues parce que. Elle m'aurait servi. Non, bon, ok, allez. À la base, on était parti voir les missions à la capitale. On va peut-être vendre l'hydromel. On va voir un petit peu. Un type d'outil fabriqué. D'accord. Ok, bah je, moi je vais les vendre. Je vais les vendre. Ça me rapportera un petit peu. En plus, je crois qu'il faut que je monte mon niveau de réputation. Parce que là, je peux plus prendre de villageois, il me semble. Donc, moi qui veux construire le ruchier, par exemple. Ah, bah, il n'y a pas grand chose. Le sel. Ouais, j'accepte. Les flèches. Flèches en bronze, flèches en cuivre. Ouais, bah, il faut que je regarde. 1500. Ouais, on va accepter. Couteau de cuivre. Ouais, on va accepter aussi. On va aller voir pour fabriquer tout ça après. Hein. Allez voir tout. Hello. Tiens. Je te donne ça. Tu me donnes combien pour ça? 10? Ouais, c'est mieux que rien. J'ai dit 1000 et quelques, bon, ça va. Chair de poisson salé, on peut peut-être la vendre. 77. J'ai beaucoup de nourriture, donc je peux me permettre, je pense. Flèche en cuivre. Ouais, alors celle-là, je vais pas les vendre, évidemment. Planche, non, ça je vends pas. La viande, je la vends pas. Mon épieu tout cassé là. Allez, tiens, je vais le vendre. Whatever you need, I've got it. See you soon. Allez. Flèche en cuivre et flèche en bronze. Alors, je sais pas si j'ai appris les plans. Écoutez, hein. Je pense qu'il va falloir des bâtons pour ça. On va commencer, hein, puis je pense que dans le prochain épisode, on finira les missions. C'est des missions, je crois que je ne les ai pas encore eues, celles-là. Ah si, peut-être les couteaux, oui. Les flèches, ça me parle pas. Je prends des bâtons parce que de toute façon, j'en ai pas beaucoup. Donc, je sais pas, je ne comprends toujours pas. Ils n'arrivent pas à me choper des bâtons, il faut pas d'outils, hein. P. Hop, voilà. Je vais reprendre le chemin là-haut. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va être apparu. Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est que petit à petit, le village s'améliore. On va voir si l'anis a réparé les maisons en question. J'espère qu'elle a commencé par la mienne. Hein. C'est la plus importante à réparer. Hein. Allez. Bâtons. J'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose... C'est là, généralement. Non, non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Ok, et ben on repart.
60 bâtons. Après, si je peux en fabriquer pour moi aussi, hein, ça serait pas mal. Hein. Ce serait pas du luxe. Oh. Ok, parfait. Ouais, t'es un peu fatigué, excuse-moi. Là, j'ai encore toutes ces maisons-là à améliorer. Hein. Enfin, à isoler. Avec les petites barrières autour et tout, c'est sympa. Ok. Ah, bah, excuse-moi, t'es devant moi. Alors, est-ce qu'elle m'a réparé les maisons? Oui, oui, c'est réparé. Bah oui, en fait, quand on fait bien les choses, ça marche. Mais pour moi, sélectionner, ça veut dire que c'était dans la liste, en fait, donc elle avait juste à le faire. Non, c'est à moi de sélectionner en plus les maisons qui sont à réparer. D'accord. Bon, bah, c'est bon à savoir. On avait dit les flèches en cuivre et les flèches en bronze. Alors, c'est parti, on va aller voir. Ah, garde à vous. Sérieux? Vous regardez quoi, là? Ah. Vous admirez la cascade. C'est beau, hein? Bon, toi, tu dois pas voir grand-chose, mais... Il y a un mec qui passe. Attention. Pousse-toi. Tu vas prendre un trou dans la tronche. Alors... Ah, il va falloir la passe, pépère. Ça, c'est quoi? Alors, ça, c'est les flèches en bronze. Ok, bah, flèches en bronze, il faut que je les apprenne. Ça va me coûter 200, mais bon, vu ce que ça me rapporte, je peux. Et flèches en cuivre, je connais déjà. Il me faut des plumes, des lingots de cuivre et des bâtons. Ok. Alors, les plumes. Ah, il m'en faut... Ah oui, 60, 59. C'est par 10, c'est ça? Mince, j'ai pas fait gaffe. Ah, mais j'ai un entrepôt à côté. Pourquoi je viens jusqu'ici? C'est l'habitude. On va déjà faire le cuivre. Je sais pas, je me rappelle plus les quantités. Je vais en prendre 12. Et des plumes. Je vais en prendre 60. 50. Allez, 50. Oui, mais j'en ai plus beaucoup de plumes. J'en avais énormément, j'ai été en vendre. Ça m'a rapporté un petit peu. J'aurais peut-être pas dû. Bon, après, ça va remonter tout seul. Hein. Il me faut 60 flèches de cuivre. On va faire celle-là. On va pas forcément la rendre, mais on va la faire. Donc, flèches. Ah, pour 10 flèches. Alors, pour 10 flèches, il faut 10 bâtons, ce qui est normal. 10 plumes, ok. Et des lingots. Ah, bah, je vais peut-être pas avoir assez en fait. Ah, je vais pouvoir en faire que la moitié. Mince. Ah, j'en ai 57. Ah, non. 5. Oui, non, c'était bon. Il me manque un petit peu, mais c'est pas grave, je vais en faire pour moi. Ce sera des flèches de cuivre, mais bon, c'est pas grave. On va voir. Ah, mais attendez. Si ça se trouve... J'aurais pas des flèches qui traîneraient là-dedans? Non, j'ai des épieux. Couteau. Ok, allez. Ok, alors, il va me falloir des bâtons encore.
Oh. Bah dis donc. Bah alors. Tiens. Non mais faut qu'elle prenne des coups parce que la vie est dure à cette époque-là. Ah. Heureusement je la touche pas. Hop, les plumes. Je vais tout prendre. Ok. Et... mince, c'est où? Ben, je pense qu'il m'en faut que deux. Et en bronze, ça doit être pareil. Je sais plus combien il m'en fallait. Bon, je vais prendre ça. On verra bien. Ah ben c'est cool de me laisser la place. Ah ben comme ça, la journée est terminée, on va pouvoir s'arrêter. Je pourrais en faire 30. Et il m'en faut 60. Ah non, il m'en faut 59. Oui, 60. Ok, et c'est quoi qui me manque? Ah, des bâtons. Ah, j'aimerais bien qu'on finisse ça dans cet épisode quand même. C'est pas mal. Ouais, les bâtons, c'est même pas la peine de regarder, j'en ai pas. Ça, c'est sûr. Hop. Enfin, je pense que je vais pas pouvoir finir parce que j'ai plus de plumes. Ou alors, faut aller en chercher dans le poulailler et... dans le... comment c'est le... voilà, dans la cabane des oies. Voilà, c'est bien, les arbres ont repoussé, donc ça fait 2 ans. Normalement, elle devrait être adolescente, la gamine, là, bientôt. Non, c'est pour la faire travailler, quoi. Qu'on rapporte de l'argent, un peu, quand même. Pas déconner. C'est bon, quoi. Je la nourris, je l'habille. Elle peut bien travailler un petit peu, quand même. Hop. Non, c'est essoufflé. Et ça, c'est fait. Hop. Ah, j'ai plus beaucoup de bâtons par là, c'est malheureux. C'est triste. Je vais aller voir ce que je peux fabriquer. Il me manquerait 30 flèches et 3 flèches. Là j'en ai quelques-uns. Il en faut 10, c'est ça? Hop. Tiens là. On va en choper un petit peu. Allez, parce qu'après, il faut les faire dodo, là. On va les faire dodo. Et donc, la petite fille, donc la fille Amélie, je ne me rappelle plus son nom. Émilie. Comment elle s'appelle? Ah, oh, mais je sais plus. Elle a eu plein d'enfants avec d'autres hommes, elle s'est pu au bout d'un moment. Alice. Et Alice, mais oui, je le savais. Je le savais. Mince.
J'en ai 50, il m'en manquerait 10. Qu'est-ce qui me manque? Voilà, c'est des plumes. Ok. Ouais, il va me falloir des plumes. Mince. Non, mais j'aimerais en finir. Allez, c'est parti, on va chercher des plumes. Ah, attendez, les bâtons. Avant qu'on me dise que j'ai plus de bâtons. Allez, faire chier les poules. Ah mais non, mais elles vont être couchées les poules. Ah ouais, bon, on va dormir. On va dormir, puis Hop. Ah, excuse-moi, moi qui sors en premier. Allez, on a ça à finir, là. I wouldn't mind if the king resigned from the throne. Or if somebody else... Ça fait pas si longtemps que ça que j'y suis allé en plus dans le poulailler, donc il va pas y avoir beaucoup de plumes. Bon, il va falloir bouger les poules là. Bon, 5 plumes, ça va. Hop. Ah, y a rien là. Le coq. Tu as fait des œufs, toi. Hop. Ah, c'est chiant, hein. Les oies. Les oies, les oies, les oies. Les oies sont par là. Alors? Hein? Ça drague? Je vous laisse. Ah, bah ils sont debout. Y'a rien là? Là non plus. Et là? Y'a rien là? Il me semblait. plumes. Ah mince, je pense que je vais pas en avoir assez. Ah, quoique. Non, ça fonctionne par 10. Ah, il m'en faudrait 2 de plus. On va voir. Dans le prochain épisode, je pense qu'on va s'occuper un petit peu de la cabane de pêche. À l'isoler. Je crois pas l'avoir isolée. Hein. Je suis pas sûr. Hein. Ah bah si. Si, si, elle est isolée. Non, c'est bon en fait. La forge, bah non, parce que. Pourtant, il y a d'autres bâtiments hein, à faire. Hein. Ça, c'est sûr. Je viens de voir qu'il y avait l'entrée aussi où on pouvait faire. Alors, flèche de bronze. Et ouais, malheureusement. J'ai 60. Par contre, les flèches. Ah, il manque 2 plumes. 2 pauvres plumes. Elle n'aurait pas ramené des fois dans le... Ah bah t'as trouvé un jouet, c'est bien. Non, pas de plumes. Ah mais on a aussi le sel, tiens. Je sais plus combien il en fallait. Une trentaine, je crois. On va mettre 40. Dans le doute. C'est 46. Il m'en manquerait 6. Celle-là. Ok, bon, et ben pour le reste, par contre, malheureusement,
ça. Planche, rondin. Et il me manque deux plumes. Bon, bah, c'est pas grave. On verra ça dans le prochain épisode. Ça va se faire entre temps. J'espère. Sinon, on fera les autres. L'autre mission qui reste. Et on verra bien. Bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le partager, le commenter. Et puis moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Portez-vous bien. Bye bye.